Salut, salut tout le monde, c'est Monsieur 35Hack et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo sur comment avoir Battlefield 3 gratuitement avec l'aide du site Euroclix. Donc on perd pas de temps, on va tout de suite aller sur internet. Alors on se crée un compte Euroclix d'abord, donc je mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas, hein. Donc on va dessus, Euroclix. Donc comme vous pouvez le voir, on arrive sur une page où il y a plein de choses, offre du jour, exclusivité, machin, machin. Et donc ici, vous voyez le nombre de clics que vous avez. Entre autres, moi je suis à 67 000. 67 000 qui est égal à plus de 850 €. Donc oui, je pourrais m'acheter facilement Battlefield 3, mais comme je l'ai déjà, ça me sert un peu à rien. Donc voilà, donc d'abord, ensuite, on va sur un site n'importe quel, Amazon, la Fnac, n'importe quoi. On regarde les prix du jeu que vous voulez acheter. Donc pour moi, ce sera Battlefield 3 pour la vidéo. Battlefield 3. Donc je précise que vous pouvez l'acheter sur PC, PS3 et Xbox. Je sais pas s'il y a sur Wii. Non. Mais pas sur Wii, donc voilà, donc on voit qu'il a 43 €, 44, 40, 44 €, ouais, donc pour arriver à 44 €, ouais, il faut 3500 clics, 4000, 4000 clics de préférence quand même. Donc pour arriver à 4000 clics, bon, déjà la question c'est comment on gagne des clics. Donc vous pouvez aller sur gagner plus de clics, mais bon, ça c'est que de la chance en fait. Le clic-clics, pas de vous miser 100 clics et vous tirez sur une machine, hein, donc je sais pas si je peux y accéder. Si, ouais, je peux jouer maintenant, donc je vais vous montrer vite fait. Donc là j'ai misé 100 clics, je tire sur la machine pour essayer de gagner quelque chose, donc je sais pas si je vais gagner. Vous voyez bien ici, j'ai 8 de crédit. En bas, vous pouvez voir ici que si vous avez deux machins comme ça, vous gagnez 100 clics, un truc comme ça, 250, etc. jusqu'à machin là. Je sais pas si je vais gagner quelque chose. Non, ouais, trop trop beau. Voilà, je termine ensuite. Donc je précise qu'on peut faire ça qu'une seule fois par mois. Donc comme je dis, c'est vraiment que de la chance, hein, là j'ai gagné 100 clics, j'ai deux trucs comme ça. 100 clics c'est rien, c'est 1,25 € à peu près. Voilà. Donc sinon, comment gagner des clics plus facilement, on va dire, sans de la chance en fait. Donc vous avez ajouté des membres, inviter un ami ou une amie. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez un lien. Un lien que vous pouvez partager sur Facebook, Twitter, etc. Donc je vous conseille de faire ça, hein, oui. Donc d'abord je vous explique le principe. Donc vous avez un lien que vous mettrez sur Facebook, Twitter, etc. Des gens cliqueront sur vos liens et s'inscriront sur vos clics. À ce moment-là, vous gagnerez 150 clics. Donc 150 clics c'est égal à 1,95 €. Donc comme je vous disais, pour Battlefield 3, il faut 4000 clics. 4000 clics, donc ça représente à peu près 30 personnes. 30 personnes, donc si vous êtes dans une classe au collège ou au lycée, vous dites à vos amis de s'inscrire sur votre lien. Et voilà, en quoi? En 4 semaines, 3 semaines, ça y est, c'est bon. Vous l'avez. Après aussi, ça c'est pour ceux qui n'ont pas envie de l'acheter. Enfin, je fais cette vidéo pour ceux qui n'ont pas envie de l'acheter directement en magasin, ceux qui ont envie de l'avoir gratuitement, hein. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous allez au clics, vous allez dans échanger des clics, cliquez sur euro, et là vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Moi je suis bloqué à 5000, hein, qui est 1 700 €, qui est quand même énorme. Donc voilà, donc 4000 clics. Une fois que vous avez 4000 clics, vous cochez et vous faites échanger. Cliquez ici sur le bouton échanger. Donc avant de faire ça, il faut que vous ayez rempli mes informations, vos informations sur Euroclix, hein. Donc vous verrez bien les modifications et tout ce qu'il y a.
Sinon, bon, pour certains qui douteraient un peu de Euroclix, tout simplement, je vous dis, allez voir sur Internet. Donc, ceux qui sont allés sur Euroclix, les commentaires qu'il y a sur le site. Moi, je suis allé voir il n'y a pas très longtemps. J'ai pas vu énormément de commentaires négatifs. La plupart étaient positifs en disant que ça marche ou que ça leur faisait énormément d'économies. Oui, parce que énormément d'économies, parce que Euroclix, c'est un site qui a beaucoup de je sais plus comment c'est, de partenaires comme Orange Mobile, là, que vous voyez bien. Il y a aussi Jiffy, il y a la Fnac, Adidas, il y en a plein, il y en a plein, 700 au total, je crois. Donc voilà, donc allez voir tout simplement si vous doutez qu'il y a de la fiabilité, excusez-moi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre argent. Ah non, j'ai dû oublier une étape. Oui, donc avant de faire le virement, encore, excusez-moi, faut que vous ayez créé un compte PayPal. Donc vous allez sur PayPal Google, là, ouvrir un compte PayPal. Ensuite, vous allez sélectionner ouvrir un compte PayPal pour particulier, voilà. Donc comme j'ai eu certaines personnes qui savaient pas s'il fallait mettre une carte ici, non, vous n'êtes pas obligé. Pas du tout obligé, moi j'ai pas fait ça et puis voilà. Oui, donc ici les mineurs ne peuvent pas utiliser PayPal. Ça, on s'en fout un peu, on va dire, hein. C'est comme les jeux 18 en plus, les trois quarts des gens qui jouent n'ont pas 18 ans. Voilà. Donc ça, on s'en fout. Donc vous mettez votre adresse email, votre mot de passe, voilà, etc. Vous remplissez tout. C'est accepté, vous créez un compte. Une fois que vous l'avez fait créer, vous faites échanger des clics et vous faites échanger vers de l'euro. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre argent sur PayPal. Je crois que ça prend 3 jours, oui. 3 jours, vous allez sur votre site Amazon. Vous l'ajoutez au panier. Donc moi j'ai déjà fait dans mon dernier essai que j'ai foiré. Donc voilà, vous faites passer la commande. Et ici, vous demandons si vous êtes un nouveau client. Donc je suis nouveau client. Adresse email, vous mettez votre adresse email. Vos informations comme sur PayPal que vous venez de faire et ensuite vous sélectionnez les moyens de paiement de PayPal. PayPal ou carte bancaire pour ceux qui en ont une. Hein. En principe que c'est pas obligatoire d'en avoir une. Donc voilà, on touche à la fin de la vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Ça me ferait très plaisir aussi que vous mettiez j'aime ou vous abonniez à ma chaîne. Hein. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Salut tout le monde.